Les deux japonaises, Mio Takeda et Miya Tachibana, qui étaient championnes du monde junior en 91. C'était la plus grosse émotion d'avoir entendu l'hymne national sur la plus haute marche du podium. Et bien pour s'imposer, il faudra réaliser un programme libre parfait. La musique choisie par le Japon, Mate de Mizuo Ochawa, 4 minutes pour essayer d'aller décrocher un titre olympique. Dommage, on a pu voir le travail. On a vu la poussée quand même. Et le travail de portée. Très belle figure. Un effet visuel très intéressant. Que les juges voient très bien perchés sur leur chaise. C'est intéressant là, c'est la vitesse d'exécution. Poussée verticale avec une descente à l'oblique, avec un blocage. Technique très affinée. Un programme qui joue sur les rythmes, la douceur asiatique et toute la tonicité du Japon. Le passage lent ou tout le savoir artistique, chorégraphe et des nageuses, peut se faire sentir. Belle vrille, bien ensemble, menée par un cambré du corps. Attaque maintenant la dernière minute. Je pense que le rythme d'exécution va s'accélérer. La mode est au pied cassé. Bonne exécution technique. Miya Tachibana et Mio Takeda qui ont noyé le public dans un bonheur intense. Le Japon et ses sirènes et ses naïades. Deux jeunes filles qui, assurément,
vont prendre la première place tant leur exécution a été précise et harmonieuse. La précision au millimètre près, des heures passées à l'entraînement, travail à sec sur le bord du bassin. Beaucoup de vidéos aussi. Le fameux pied cassé, ce sont peut-être les Françaises qui vont essuyer les plâtres avec cette belle figure des Japonaises. 3 minutes 58 et 1 dixième pour être précis. La note technique. Ce seront sans doute unanimes, effectivement. 9-9 en technique. 9-9. Ce qu'on appelle un bingo en natation synchronisée. Et le super bingo, c'est le 10 partout. 9-9 pour ces deux jolies fleurs de la natation synchronisée. Et vous voyez que si l'on parle parfois de cooptation, les Françaises ont noté 9-9 pour les Japonaises. Idem pour la note artistique. Et à l'arrivée, les Japonaises passent en tête. 98-650. Une première place pour l'instant méritée.